Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Un œil dans le rétro concernant les jeux Dragon Ball. Alors qu'on a déterré les fossiles des périodes NES à PlayStation dans la première partie, intéressons-nous cette fois aux jeux plus contemporains. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, si le contenu vous plaît, on met un petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche et on partage la vidéo. Allez, bonne émission à tous! Bandai a eu le temps de digérer son dernier échec, il va falloir se racheter une image, et pour ça l'éditeur donne les clés du camion à Dims. C'est donc en 2002 que sort Dragon Ball Z Budokai, le renouveau du jeu de combat Dragon Ball. Alors le jeu possède pas mal de défauts, il est graphiquement sympathique mais n'a rien d'extraordinaire, et le gameplay, s'il pose de nouvelles bases, n'est pas encore maîtrisé. Les modes de jeu, notamment le mode histoire, fait enfin son grand retour, qui permet de revivre la saga DBZ jusqu'à la fin de l'arc Cell. Le mode est entrecoupé de mini-jeux où on doit par exemple placer Raditz sur la trajectoire du Makanko Sapo de Piccolo. Les cutscenes sont fidèles à l'animé et le mode est vraiment plaisant à jouer. Mais Dims a décidé de vraiment tout envoyer sur cet épisode, alors c'est parti. On a l'apparition des What If, les scénarios parallèles et souvent drôles où on contrôle les méchants de l'arc. Vegeta deviendra donc un Super Saiyan après avoir exterminé les guerriers Z, consumé par la rage de voir Nappa mourir. Vous en voulez plus? Allez, on envoie 24 personnages jouables qui seront personnalisables, on leur attribue des attaques via un système de capsules, le gameplay classique avec barre de vie et ki, les super attaques doivent être déclenchées après un combo. Budokai est un carton, il se vend à plus de 2 millions d'exemplaires aux USA en un an, pour 3,5 millions au total. C'est un des meilleurs chiffres de vente pour un Dragon Ball grâce à sa générosité. Dims a réussi à relancer l'intérêt du manga en Europe, alors qu'à l'époque, les magazines papier passaient un peu à côté en France, considérant que DBZ avait fait son temps. Anecdote rigolote, le générique du jeu utilise la musique originale, le célèbre Shalla Inshallah. Sauf que Bandai et Dims n'avaient pas les droits. La musique ne sera donc plus utilisée par la suite. On va laisser de côté pour l'instant les jeux sortant entre les consoles portables pour y revenir un peu plus tard, pour se focaliser sur ce qu'il se passe sur les consoles de salon suite à ce Budokai. Le premier était bien, le deuxième sera grandiose. On rajoute l'arc-bout, le système de combat est repensé, plus technique, plus stratégique. Les cancels arrivent, ainsi que les téléportations. Le jeu permet également de se transformer en plein combat, voire même de fusionner. D'ailleurs attention à ne pas rater les combinaisons de touches sur la fusion, sinon c'est la catastrophe assurée. Les devs sont d'ailleurs lâchés sur les fusions. Combinaison totalement loufoque, avec Goku qui fusionne avec Satan. Plus original encore, c'est le Tenshinhan et Yamcha, qui possède un aspect graphique plutôt... original. Graphiquement, on a passé un cap, avec l'arrivée du cel shading, qui même si ce n'est pas le plus fin de l'histoire, fait le boulot. Le jeu s'ouvre sur une séquence animée absolument folle. Niveau mode de jeu, le mode histoire est remplacé par le mode Dragon World, qui prend la forme d'un jeu de plateau. Assez sympathique mais court, ce mode évite surtout à Dims de refaire un mode histoire qui n'aurait été à 80% que de la redite. On retrouve également le mode Budokai et un mode à débloquer, le vaisseau de Babidi. On a au final, si on prend en compte tous les personnages débloqués, 35 caractères sélectionnables. Je dis bien sélectionnables car au final, chaque personnage possède plusieurs transformations. 4 pour Goku par exemple, voire fusion. Les possibilités paraissent énormes et les combats ont un dynamisme assez fou, notamment quand on va envoyer et balle l'adversaire dans un building ou une montagne. On se demande vraiment comment faire encore plus. Eh bien Dims le sait, Budokai 3 sort en 2004. Il représente l'évolution finale de la série de Dims, 44 personnages sélectionnables, on rajoute de nouvelles transformations comme les Super Saiyan 4, des persos d'OAV comme Bardock, Cooler ou Broly, les persos GT, des nouvelles fusions comme Gogeta, le roster est indécent, on voit mal comment faire mieux. À moins que... on verra plus tard. Le système de combat est encore retravaillé, beaucoup plus précis, puissant et les téléportations deviennent un des éléments principaux du gameplay, le jeu offre des combats dantesques et nerveux qui raviront tous les fans. Concernant les modes de jeu, le mode histoire est de retour. Cette fois, le personnage va pouvoir se balader sur la Terre et sur Namek et suivre tous les arcs de l'arrivée des Saiyans à la chute de Buu, le tout en cherchant les boules de cristal et en augmentant les statistiques de son personnage. Le mode est vraiment bien réalisé, même si on aurait aimé des petites séquences de gameplay dans les cutscenes, comme c'était le cas à l'époque du premier Budokai. Le jeu est donc une sorte de maxi best-of que certains fans considèrent encore comme le meilleur en jeu Dragon Ball, malgré la concurrence qui va arriver par la suite et pas des moindres. Les 3 Budokai ont donc cartonné et sont les nouvelles références, que ce soit niveau contenu, graphique ou gameplay. Il semble très difficile de faire mieux, alors quand Bandai confie la licence à Spike, tout jeune studio, ces derniers se creusent la tête. Les Budokai sont des monstres, alors ils vont choisir de prendre une approche différente. DBZ restera un jeu de combat, mais Spike va s'attacher à laisser le joueur le plus libre possible dans ses mouvements. Tenkaichi propose donc des arènes immenses où le personnage peut s'éloigner à une distance assez folle et qui sont quasiment entièrement destructibles. Un Kamehameha fera exploser la montagne derrière laquelle se cache l'adversaire. Le jeu est nerveux et les combats se déroulent aussi bien au ras du sol que dans les airs ou sous l'eau. Les cell shading est beaucoup plus fin que celui utilisé dans les Budokai. Existe les gros traits noirs de contour qui rapprochaient plus le jeu de l'esthétisme comique que manga. Le sens du détail est poussé au maximum. Les combattants finissent le combat avec les vêtements déchirés et des marques de coups plein le corps.
Après le dernier jeu de Dim, Stan Keiichi ne pouvait pas arriver avec un casting de 20 personnages. Soit, il y en aura 50 déclinables en un total de 90 transformations. Le jeu est dantesque niveau contenu. Cette liste interminable de personnages jouables est rendue possible par un gameplay qui rend l'utilisation de chacun assez proche. Les combos diffèrent peu d'un personnage à l'autre qui se manient quasiment tous en suivant le même principe. Malgré ces similitudes, Spike arrive à rendre les personnages différents. Mais ce gameplay ciselé a un coût, les commandes ne sont pas du tout instinctives lors des premiers combats. Les possibilités de combo se dévoilent au fur et à mesure, rendant le jeu de plus en plus profond et complexe lors de la progression. On ajoute à ça une traditionnelle barre de ki permettant de lancer les attaques spéciales, mais également une troisième jauge pour les techniques personnelles. On a donc une profondeur de jeu assez folle. Niveau mode de jeu, on retrouve une histoire qui va retracer le manga et les OAV, un mode combat ultime où l'on pourra affronter sans adversaire, et le classique championnat du monde. Le mode évolution Z permet de faire évoluer ses personnages et d'en débloquer. Entre 2002 et 2005, Spike va donc sortir 3 Tenkaichi. Le deuxième épisode est un More and Better, on peut jouer des personnages de toutes les époques Dragon Ball à Dragon Ball GT, en passant par les Z et les OAV compris. Les personnages jusque-là très peu utilisés deviennent jouables. Tapion, Kiwi, Janemba, ou encore les Ozaru, la transformation Saiyan en gros singe géant. On retrouve même au casting des sous-fifres de Freezer ou de Garlic. Bref, de quoi revivre les meilleurs combats de la saga et affronter des affrontements improbables, on se retrouve donc avec 129 transformations différentes. C'est absolument n'importe quoi. Le système de combat progresse, plus fluide, plus rapide, la gestion des caméras est bien meilleure, même si elle a parfois du mal et se coince dans certains angles du décor. C'est également le retour des transformations et fusions en combat pour notre plus grand bonheur. Le jeu permet également de jouer avec des équipes de plusieurs personnages et d'échanger à la volée. Tenkaichi 2 regorge de modes de jeu, dont un mode histoire s'inspirant de Budokai 3 où on va se déplacer sur la map entière, et l'on pourra s'écarter du chemin normal pour affronter les ennemis secondaires. On retrouve également des what if, scénarios originaux et drôles, et débloquer tout plein de personnages demande pas mal de temps. On se demandera alors ce que va pouvoir faire Spike pour le 3ème épisode. Eh bien, ils vont faire encore plus de contenu, 160 personnages, transformations comprises, 160, il manque quasiment personne. Vous l'avez vu dans le manga ou dans l'anime, il est là. General Blue, Yakon, Yajiro B, Spopovich, Mirai Gohan, Nel, Roi Vegeta et même Shishi enfant. Le gameplay s'affine encore une fois avec pas mal de nouveautés pour ceux qui maîtrisent le mieux le jeu. Counter Z, Burst Dash, Sonic Way. Les possibilités sont monstrueuses, l'aspect technique du jeu se retrouve encore une fois renforcé. Si le jeu permet de rapidement s'amuser pour les néophytes, les rouilleurs de première s'affronteront dans des batailles dantesques de plusieurs minutes dignes du manga. Le fanservice y va à fond et l'encyclopédie du jeu permet de retrouver les fiches de chaque personnage contenant pas mal d'informations. Bref, Spike a créé le rêve ultime de tous les gamins des années 90, tous les persos, toutes les techniques, dans un jeu graphiquement se rapprochant au maximum du manga. Voilà pour les deux grosses trilogies de la PS2, mais avant de s'intéresser au portable, il reste 3 jeux sortis sur PS2 au milieu des années 2000. Dragon Ball Z Saga tout d'abord, développé par Avalanche Software en 2005. Les jeux de combat sont maîtrisés puisque Tenkaichi 2 vient de sortir, alors Atari, qui comme on le verra ensuite s'occupera de la plupart des jeux portables, a envie de croquer un peu le fruit de l'arbre sacré. C'est donc le premier jeu développé par un studio japonais qui va sortir sur une machine non japonaise, en l'occurrence la Xbox. Pour ne pas marcher sur les terres de Bandai, l'éditeur part sur un jeu d'action-aventure. On va alors devoir revivre l'histoire de Dragon Ball Z de l'arrivée de Raditz au Cell Games, une sorte de beat'em all un peu pourri. Alors le but est de buter les ennemis dans des niveaux graphiquement dégueulasses, en utilisant des combos ou des boules d'énergie afin d'arriver devant le boss et de lui régler son compte assez facilement. En plus d'un gameplay indigne et de graphisme vraiment quelconque, le jeu se paye le luxe d'être bourré de saccades. Allez, pour le plaisir, voici un combat de boss. Technique, n'est-ce pas ? Le gameplay est répétitif et mou, bref, un jeu qu'on va rapidement oublier. On peut limite se dire qu'au final, c'est pas plus mal que le jeu ne soit jamais sorti en Europe. Entre deux Tenkaichi, Budokai décide de sortir un autre jeu de combat, c'est Super Dragon Ball Z qui est développé par Kraft et Meister. Le jeu sort d'abord en arcade puis sur PS2 en 2006. Prenant à contre-pied les jeux de Spike, Super est un jeu beaucoup plus classique dans son approche et son gameplay. Ce qui marque par contre tout de suite, ce sont les graphismes, beaucoup plus inspirés du manga dans une période où les jeux sont de plus en plus des adaptations de l'anime. Super se démarque de la concurrence par cet aspect crayonné et la fidélité aux traits de Toriyama. Bref, artistiquement c'est du tout bon, même si le niveau technique n'est pas incroyable. Comme le jeu est plus classique, les personnages sont vraiment différents les uns des autres, et le roster est par conséquent beaucoup, mais alors beaucoup moins important que sur les derniers jeux. En effet, on a 18 personnages jouables, soit à peine plus que le nombre de Goku, transformations comprises, de Tenkaichi 3. Oui, ça fait peu, surtout que les choix sont particuliers. Pourquoi nous mettre Shishi, par exemple ? Niveau gameplay, on a un jeu un peu mou et statique, et malgré les très beaux finishes de match, le jeu peine à transmettre la puissance et la vivacité des combats de la série, surtout après les Tenkaichi. Ah, n'oublions pas cette entorse, que dis-je, cette honte, lorsque l'on sort du ring du championnat, on ne perd pas. Allez, zou, poubelle.
Dernier jeu Dragon Ball de la PS2, Infinite World, voit le retour de Dimps aux manettes, même si c'est Atari qui est l'édite. Le jeu reprend clairement la base des Budokai 3, que ce soit au niveau gameplay ou graphique, et même le casting. On espérait plus de changements ou d'évolution pour un jeu qui sort 4 ans après, et l'impression de déjà vu est difficile à sortir de la tête. Bon, s'il n'y a rien de neuf au niveau gameplay ou mécanique, voyons voir les modes. Le mode histoire s'appelle ici Dragon Mission. Le concept est sympathique, on bat notre personnage sur une carte du monde, sauf que celui-ci n'est pas modélisé comme dans les jeux précédents. La principale nouveauté va donc être les mini-jeux pour illustrer les différentes parties du manga, notamment les entraînements. Ces mini-jeux vont du sympathique, attraper Bubble ce caillou reste sympathique, a complètement raté, parcourir la route du dragon en traversant les hexagones checkpoints, inintéressant à souhait, même si l'idée a le mérite d'être là. Infinite World est donc clairement le jeu de trop sur la génération, et on peut se demander s'il ne sort pas uniquement pour profiter du parc installé monstrueux de PS2 quand le premier jeu PS360 sort la même année. Petite parenthèse pour un jeu sorti en 2009, Namco Bandai ne peut pas laisser la Wii, console la plus vendue Nintendo, sur le côté, et il leur faut donc un jeu Dragon Ball sur Wii. Même si les Tenkaichi ont été adaptés, un jeu original leur permettrait de marquer la console de leur empreinte. Et comme la Wii est une console marketée comme familiale, quoi de plus naturel que d'adapter Dragon Ball, l'origine du manga. Dragon Ball Revenge of King Piccolo est assurément un de mes jeux préférés avec le petit Goku. Je n'y avais sincèrement jamais joué avant de faire cette émission, et j'ai pris un plaisir fou à retourner le jeu. On a donc ici un beat'em all très classique, sûrement trop classique pour certains. On donne des coups de bâton, on projette les ennemis en l'air, on peut utiliser un Kamehameha super puissant, les niveaux sont répétitifs, mais le jeu arrive à varier les décors pour éviter trop de lassitude. Vous me direz, si c'est répétitif à ce point, pourquoi le jeu est bon? Et bien déjà, si je l'ai trouvé bon, ce n'est pas le cas de la critique qui a dans sa globalité noté le jeu de manière très moyenne. Mais pour moi, c'est surtout le fait de pouvoir suivre toute l'histoire de Dragon Ball, de la Muscle Tower en passant par le château de Pilaf, le tournoi des morts ou l'affrontement contre Piccolo, qui donne au jeu cet aspect épopée. Au commencement du jeu, grâce à son titre, on a un objectif clair, aller casser la gueule de Piccolo Daimao. Et chaque fois que le jeu commence à lasser, car il est plutôt long, arrive un boss, un événement scénarisé ou un passage intéressant. Que ce soit un tournoi, un affrontement contre Tao Pai Pai ou la mort de Krillin, les premières années du manga sont vraiment riches en personnages intéressants et c'est peut-être la première fois que l'on a un jeu qui permette de se refaire toute cette trame sans rien oublier. On va traverser tous les décors de la saga et revivre chaque scène mythique. La propulsion en Kamehameha sur Tenshinhan, l'affrontement contre Tao Pai Pai, chaque cutscene est une Madeleine de Proust incroyable. Les expressions de visage sont réussies et la mise en scène fidèle à souhait, on se rend compte que le jeu vise plus le fan de la première heure que le nouveau public. Bref, le jeu est moyen pour beaucoup, mais le fan va se régaler. Avant de passer aux épisodes portables, penchons-nous sur un dernier jeu. Bon, c'est pas réellement un jeu Dragon Ball, et il est assez méconnu, puisque jamais sorti en Europe. Il s'agit de Battle Stadium Dawn. Et Dawn, ça veut dire Dragon Ball One Piece Naruto, rien que ça. On prend les trois plus gros shonen de l'époque, on les met dans un jeu de baston, mais qu'est-ce que ça vaut ce truc-là? Eh bien déjà, la scène d'intro, même si elle est assez laine, nous met directement dans l'ambiance. On ne se prend pas au sérieux et le but est de se faire taper les personnages emblématiques des trois licences. Le jeu prend la forme donc du sort de Super Smash Bros, avec un gameplay quasiment identique, une touche pour les coups et les combos de base, une touche qui accompagne une direction, nous donnera une attaque spéciale, et un double saut. Tout y est, les objets qui apparaissent au sol fonctionnent bien, ils sont tous tirés des licences, et voir Gohan se battre avec l'épée de Zabuza a quelque chose de grisant. La grosse différence c'est qu'ici une sortie de ring n'élimine pas le joueur mais lui fait perdre de la vie, et quand cette dernière est réduite à zéro, c'est la fin. Heureusement, chaque fois que l'on touche un adversaire, la vie qu'il perd apparaît sous forme d'orbe rouge qui rend des points de vie aux joueurs qui les ramassent. Chaque personnage possède une attaque ultime qui utilisera une partie de la barre de ki et qui se remplit automatiquement. Ces attaques sont très chouettes, font des gros dégâts et peuvent retourner les games. Dernière petite originalité, certains personnages peuvent se transformer en frappant leur adversaire et en remplissant une jauge, le Super Saiyan pour Goku, le cinquième porte pour Rock Lee ou encore le Gear Second pour Luffy. Le jeu est dynamique, précis, varié en ses personnages et arènes, il lui manque juste des modes de jeu intéressants qui lui permettraient d'augmenter sa durée de vie. Reste une scène de fin qui, si elle est courte, est vraiment vraiment sympathique. Allez, chose promise, chose due, on passe au portable. Commençons par les plus connus, la série des Legacy. Encore une trilogie pour les jeux Dragon Ball, ça devient une habitude pour la série. Développé par Wedfoot Technology, il s'agit d'un jeu en action RPG qui va retracer au fur et à mesure de 3 jeux l'intégralité de la saga DBZ. Dans le premier, l'héritage de Goku, on joue donc le jeune père de famille dont le fils est kidnappé par le vil Raditz, qui se révélera être son frère. Ce drame shakespearien l'amènera à se surpasser pour devenir le guerrier de la légende et vaincre le roi tyrannique dans une contrée lointaine appelée Namek. Ok, en gros, on suit l'histoire jusqu'à la chute de Freezer. On ne joue que Goku dans un jeu qui rappelle les Zelda sortis à l'époque, l'aspect RPG est très light et les combats n'ont rien de foufou. Qui dit action RPG dit plusieurs combats, il a donc fallu créer des ennemis hors lore.
Son Goku se bat donc contre des serpents ou des loups et il est assez étrange de voir le héros tomber au combat piqué par un serpent alors qu'il est capable de détruire la moitié d'une planète. Reste un jeu plaisant à traverser, accessible à tout le monde, en plus d'être tout choupi. Le deuxième épisode améliorera la recette puisqu'il permettra de jouer plusieurs personnages. Évidemment, on part sur l'arc suivant, on part donc ici des cyborgs et on termine au Cell Game. Rien de révolutionnaire par rapport au dernier jeu. Pour augmenter la durée de vie, un des points faibles du premier épisode, pas mal de quêtes secondaires et de secrets cachés ont été ajoutés. Dommage que la plupart de ces quêtes soient ridicules, même si cela renforce le côté grand public du soft. Le jeu est bien meilleur que son prédécesseur à tous les niveaux, même si le gameplay des combats reste très basique. La trilogie sera conclue par Boos Fury, qui comme son nom l'indique se focalise sur l'arc Majin. Le jeu est moins bon que le 2, il est moins varié, plus linéaire et donne une impression de jeu rushé pour terminer coûte que coûte. Bon, il a le mérite de boucler la trilogie, on n'ira pas plus loin. Après cette trilogie, regardons du côté des jeux de combat. Alors, jeux de combat sur portable, on sait que c'est toujours compliqué. Mais alors là, Dragon Ball nous sort pas mal de jeux particulièrement honteux. Allez, on fait un rapide tour d'horizon. Dragon Ball les guerriers légendaires, sorti sur Game Boy Color en 2002. Oui, on a fait une petite remontée dans le temps. Il s'agit d'un jeu de combat à base de cartes. Le jeu est assez laid, même pour la Game Boy, et reste très basique et très simple. La durée de vie est ridicule et aucun système ou carte ne permet de varier ses decks. Bref, un jeu parfaitement oubliable. Dragon Ball Taiketsu. Laissons parler les images. Graphisme 2, hitbox pété, gameplay atroce, tout est raté dans ce jeu. Allez. Next. Heureusement qu'il reste du bon. Super Sonic Warrior, le premier sort sur GBA en 2004, le système de combat est original, les combattants ne toucheront jamais le sol, les affrontements font la part belle aux attaques énergétiques, les déplacements sont libres et le jeu est très dynamique et assez précis. Graphiquement c'est plutôt joli, on notera encore une fois des scénarios what if assez drôles, c'est du tout bon. Du coup, Arc System Works, responsable du premier enchaîne sur DS, un deuxième opus en 2005. Malheureusement le titre est beaucoup trop similaire au premier pour que l'on ne soit pas un peu déçu. Reste quelques nouveautés comme des affrontements en équipe, des attaques combinées et un jeu extrêmement plaisant à jouer offrant des joutes sans temps mort. Niveau combat, c'est la PSP qui va être gâtée avec les Shin Budokai. C'est l'adaptation portable de la série de Dimps en version allégée de tout superflu. Pas de personnalisation de capsule, un mode histoire ridicule d'incohérence, mais un gameplay sauvage, des attaques monstrueuses. Le premier Shin Budokai offre un vrai plaisir console en main et possède des graphismes impressionnants pour une portable, même si on est habitué avec la PSP. Le casting est conséquent pour la plateforme avec 18 personnages possédant chacun plusieurs transformations. Le jeu est bon et un deuxième épisode est programmé. Shin Budokai 2 sort en 2007. Le jeu fait l'effort d'être moins beau et d'avoir un mode histoire encore plus agaçant que le premier. Reste des combats sympathiques mais qui font redite du premier épisode et une poignée de nouveaux personnages. Dommage que Dimps n'ait pas plus cru en cette série, elle avait un potentiel réellement intéressant. Pike va aussi s'immiscer dans la vie de la PSP, on peut dire que le forcing a été fait pour toucher le marché de Sony. Adaptation portable de Tenkaichi, Tag Team possède le même gameplay que les épisodes console. Propose 48 personnages pour 78 transformations et c'est carrément joli pour un jeu portable. Reste un mode histoire particulièrement lourd et lassant qui ne viendra pas augmenter la durée de vie du jeu. Cet opus propose des combats en 4v4 en simultané qui sont très brouillons mais apportent un vrai vent de fraîcheur après 3 opus PlayStation mythiques. Une bonne adaptation si on a envie d'envoyer des Kamehameha dans le métro. Comment ça, personne ne sort sa PSP dans le métro? Le dernier épisode PSP sort en 2009. Pourquoi cette année? Ça me dit quelque chose. Est-ce que quelque chose est sorti avec Dragon Ball cette année-là? Non, je vois pas. Le jeu est donc l'adaptation de quelque chose qui n'existe pas dans l'inconscient de tout fan de Dragon Ball et on peut dire qu'il est à la hauteur de ce qu'on n'attendait pas. On prend le gameplay de Shin Budokai, on l'alourdit, graphiquement on vire le cel shading puisqu'il faut correspondre à l'adaptation de rien. Bon, niveau design global, comment dire? C'est de la merde et c'est ridicule, mais si plutôt fidèle à quelque chose qui n'existe pas. Allez, sortons un peu de la bagarre, qui ne nous aura donné que peu de bons jeux, et penchons-nous sur d'autres styles. Dragon Ball sur Wonders One Color revient aux premiers amours puisqu'il s'agit d'un remake des Gokuden. On a donc une aventure à base de cartes sur un plateau rappelant les jeux de société qui retracent l'histoire de Dragon Ball, jusqu'à l'affrontement avec Ma Junior. Piccolo pour les intimes. Le jeu est très joli et extrêmement fidèle, une vraie Madeleine de Proust, ça fait du bien un peu de qualité. Arrive 2 Beat'em All sur GBA. Tout d'abord Dragon Ball Advance Adventure, un jeu très sympathique bien qu'extrêmement répétitif et bourrin. On suit l'histoire du petit Goku dans une suite de niveaux afin d'affronter l'armée du Ruban Rouge ou le roi du Piccolo lui-même. Le jeu propose de la plateforme, des niveaux de shoot en nuages magiques, des combats en 1 contre 1 contre les boss en plus du Beat'em All. Graphiquement c'est réussi, les sprites sont assez gros et détaillés, et les décors extrêmement respectueux de l'anime. En plus, ce mode aventure, un mode combat permettra de se battre en prenant le contrôle de 30 personnages. Advance Aventure est un excellent jeu. Ce que ne sera pas Dragon Ball GT Transformation. On suit les aventures du trio le plus agaçant de l'histoire dans leur recherche des boules de cristal, jusqu'à l'affrontement avec Baby Super Saiyan 4. Le jeu est imprécis, mou, extrêmement répétitif et a le mérite d'être plus laid. Un épisode à jeter. La console double écran Nintendo qui cartonne en chiffres de vente va également recevoir sa tripotée de jeux DBZ.
On va avoir le droit à du remake de jeunesse avec Goku Desensu qui compile et remet au goût du jour les 3 premiers épisodes NES. Le gameplay à base de cartes reste le même et la refonte graphique est franchement réussie. Le jeu est très agréable, possède une durée de vie intéressante vu le contenu et permet aux joueurs de découvrir un système qui avait fait ses preuves. Le premier jeu original de la DS est donc Dragon Ball Origins qui sort en 2008. Tout en 3D, le jeu nous fait revivre les 2 premiers arcs de la série jusqu'au premier tournoi d'arts martiaux dans un Zelda Light. Très light. Sympathique dans sa fidélité, le jeu est plombé par un gameplay tactile compliqué et un déroulement rébarbatif. Les énigmes sont répétitives et peu inspirées, et les combats, pas vraiment folichons. Reste quelques effets de mise en scène exploitant le double écran pendant les cutscenes. En 2010 sortira un deuxième épisode qui continuera l'histoire jusqu'au château de Pilaf et corrigera le gameplay afin de le rendre beaucoup plus agréable. Dommage qu'il ne modifie pas la structure du jeu qui reste rébarbatif. Enfin, un jeu que j'avais totalement oublié alors qu'il est pour moi le meilleur de la console, Attack of the Saiyan. Le jeu est un RPG japonais extrêmement classique, se jouant en tour par tour avec des combats aléatoires. On suivra alors l'histoire de l'arrivée de Raditz à la chute de Vegeta. Pas évident de faire un RPG un peu long avec si peu de matière, alors Monolith Software qui développe le jeu appelle à la barre pas mal de vieux ennemis de Goku venant de Dragon Ball. Plaisant à jouer avec des attaques spéciales très dynamiques, le jeu réussit son pari. Pour que les combats soient plus nerveux que dans les autres jeux du genre, un système de parade est ajouté. Lorsque l'ennemi attaque, chacun de nos personnages est assigné à une touche. Si on presse la touche du personnage au moment où il reçoit un coup, il la bloque et prend moins de dégâts. Quoi? C'est pas original? C'est tiré de Paper Mario? On s'en fout, ça fonctionne. Si la DS n'aura pas été gâtée niveau qualité, ce petit jeu vient relever le niveau. Les années 2010 sont pour les fans de Microsoft un bol d'air frais. Ils tiennent enfin une bonne console et Bandai va donc décider de sortir leur jeu en multiplateforme. Soyons clairs, si l'époque PS2 a été un raz-de-marée de bons jeux de combat, ce ne sera pas vraiment le cas cette génération, même s'il y a des bonnes choses à en tirer. Tout d'abord évacuons Dragon Ball Online, tentative de meuporg sur la série, je n'ai pas pu y jouer et le jeu n'avait pas l'air extraordinaire. On s'y attardera donc pas trop. Un peu avant 2010, c'est Dimps qui reprend le flambeau avec Burst Limit. Après Budokai 3 ou même Infinite World, on s'attend à un contenu dantesque et un gameplay retravaillé. Eh bien rien de tout ça. Burst Limit s'arrête à la saga Cell, on a donc seulement 21 personnages jouables. Dis donc Bandai, vous auriez pas prévu de nous faire des suites par hasard? Il est clair qu'ils en gardent sous le coude pour un éventuel Burst Limit 2. Le gameplay quant à lui n'a pas bougé et si graphiquement le jeu est très joli, on a un peu l'impression de se battre avec des figurines en plastique plus qu'avec des personnages d'animé. Reste une mise en scène qui réussit à mettre de l'énergie dans les combats et les cinématiques, même si le mode histoire est tellement coupé et censuré qu'il n'en représente aucun intérêt. Ce premier DBZ de la génération est donc un échec critique et commercial et Burst Limit 2 ne verra jamais le jour. Comme on dit chez moi, chez Bandai. Dimps tourne en rond, très bien, on va leur confier autre chose. Et pour la baston, c'est Spike qui reprend la relève, avec Raging Blast. Burst Limit reprend les Budokai, ok, Raging Blast reprendra les Tenkaichi. Si la génération PS2 a accouché de 2 monstres, on constate que la série a beaucoup de mal à s'en détacher. Raging Blast reste un bon jeu, le gameplay est moins bourrin que dans les épisodes d'antan, et le roster composé de 70 personnages est respectable pour un jeu Dragon Ball. Le contenu est bon avec pas mal de modes de jeu, de l'histoire même si elle est pourrie, des scénarios alternatifs, il y a de quoi faire. Pendant les heures. Mais on peut aussi dire qu'à part la HD et un roster diminué, qu'apporte de plus ce Raging Blast? Eh bien pas grand chose. Spike donne l'impression d'avoir fait le tour et les difficultés des studios japonais à se renouveler sur cette génération n'épargnent pas la saga vidéoludique des Guerriers Z. Et si le jeu n'apporte rien, ce sera également le cas de sa suite qui sort l'année suivante en 2010. On rajoute des personnages mais on ne touche à rien d'autre. Comment vendre le jeu? Eh bien on met un remaster de l'OAV, le plan d'éradication des Saiyans. Vous vous rappelez cette OAV conçue pour vendre le jeu DBZ sur Pledia de Bandai dans les années 90? La boucle est bouclée pour les marketeux. Les jeux s'enchaînent et se ressemblent, la film Nippon ne prend aucun risque avec son bébé et peine à renouveler l'intérêt des joueurs. Et la comparaison avec les adaptations d'autres mangas qui cartonnent font très très mal à la bande à Goku. En face, on a en effet les Ultimate Ninja Storm, autant dire qu'en termes d'adaptation et de dynamisme, y a pas photo. Spike l'a compris et tente de faire du nouveau, avec Ultimate Tenkaichi. En voyant le titre, tout le monde s'attend à un nouveau jeu du même genre en version maxi best-of. Eh bien, pas du tout. Spike essaye de se renouveler cet épisode, sincèrement. Les combats d'Ultimate Tenkaichi sont peut-être les plus impressionnants et les plus fidèles à la saga. Les coups et les enchaînements sont ultra vifs, rapides, les coups ont l'air de faire réellement mal, les super attaques sont complètement folles, détruisant le terrain et possédant une mise en scène vraiment impressionnante. En tant que spectateur, les combats sont un vrai bonheur. Le problème, c'est une fois manette en main. Le système s'appuie sur 3 jauges, vie, ki et défense. Mais le problème vient du principe fondamental du gameplay. Le joueur ne fait réellement pas grand chose. On spamme des coups, de poings, de pieds, de boules de feu, jusqu'à ce qu'un combo se lance. À ce moment, chaque joueur choisira une touche parmi 2 et si le défenseur devine celle de l'attaquant, le combo s'arrête.
On a donc un gameplay qui laisse une place beaucoup trop importante à la chance. Tous les personnages se jouent de la même manière, c'est donc aussi beau et dynamique que c'est chiant à jouer. Ce jeu permet quand même de créer son avatar pour un mode histoire qui s'avère sympathique avec des combats de boss géants contre par exemple les Ozaru. Cet Ultimate Tenkaichi est un gâchis sans nom, sincèrement. Dernier jeu de combat sur ces consoles, Battle of Z. Sur cette génération, c'est le multijoueur qui domine. Bandai, après avoir fait intégrer des modes multi en ligne dans ses jeux de combat, veut son jeu multi. Battle of Z offre donc des affrontements en 4v4 absolument bordéliques. Graphiquement à peine passable et doté d'un gameplay des plus basiques, il n'y a pas grand chose à tirer de ce jeu si ce n'est des joutes parfois sympathiques en jouant à 4 copains. Dommage qu'il n'y ait même pas de multi local. Les modes de jeu sont faméliques et le jeu donne vraiment l'impression de se moquer du joueur. Allez, petite parenthèse pour Dragon Ball Kinect, une adaptation d'Ultimate Tenkaichi avec la reconnaissance de mouvement de la caméra de Microsoft. Le jeu réalise le rêve de tous les gamins qui simulaient des Kamehameha dans les cours d'école. On frappe, on prend les poses emblématiques de la saga, le tout en vue à la première personne pour l'immersion. Y a pas grand chose à en tirer non plus. La détection de mouvement est complètement flinguée et on finit par s'agiter dans tous les sens. Bref, le jeu est rigolo de combat et on le met à la poubelle. Bon, si Spike a tenté l'impossible pour essayer de redynamiser la franchise, on peut se demander ce que faisait Dimps pendant ce temps-là, après le four Burst Limit. Eh bien, il bossait sur la série Dragon Ball Heroes. Comme je n'ai pas pu me payer un voyage au Japon pour tester cela, puisqu'on parle d'une borne d'arcade, je ne peux vous montrer forcément d'image. Sachez juste qu'il s'agit d'une borne qui fonctionne avec des cartes à collectionner, distribuées directement par la machine elle-même. Chaque joueur a un pass qui stocke ses données, et on peut donc reprendre ses parties quand on le souhaite, peu importe la borne et l'endroit. Dragon Ball Heroes va également être adapté en animé et deviendra la source de pas mal de jeux, notamment sur 3DS. Le but est donc de se faire un deck de 7 combattants aux capacités actives ou passives et d'affronter les adversaires dans des combats en 3 manches. Le joueur choisira chaque tour quel personnage attaque ou se repose suivant son niveau de stamina. Le jeu fait la part belle aux combinaisons et synergies entre les persos et les joueurs se contentera de faire bouger ses cartes sur la surface de jeu, de la borne ou avec le stylet sur l'écran de la 3DS pour déclencher les attaques. Dimps va sortir 3 jeux Dragon Ball Heroes nommés Ultimate Mission, Ultimate Mission 2 et Ultimate Mission X qui ne quitteront pas le Japon, mais le dernier en date, Super Dragon Ball Heroes World Mission, que l'on voit à l'écran en ce moment, est sorti en Europe sur Switch et PC en 2019. Le jeu est assez sympa, on imagine à quel point il doit être plaisant à jouer avec des vraies cartes que l'on collectionne, mais en l'état il reste un jeu très répétitif malgré un nombre de cartes assez conséquent. On a malgré tout un mode histoire où les missions s'enchaînent avec un ersatz de scénario totalement anecdotique. Heroes est un carton et la saga va foncer vers ce qui va être un carton monumental même, les gacha avec Dragon Ball Dokkan Battle. Les gacha, ce sont des jeux généralement gratuits qui permettent de collectionner des cartes ou personnages avant de les faire s'affronter. Le terme de gacha désigne ces machines distributeurs de jouets où on met une pièce et on obtient un petit jouet aléatoire. Le principe de ces jeux repose donc sur l'envie du joueur de tenir les derniers personnages ou cartes et cela se fait donc par tirage au sort parmi une liste. Alors, soyons précis, ces jeux sont gratuits d'accès, mais si vous souhaitez obtenir une carte en particulier, faudra tôt ou tard mettre de l'argent. Généreux en personnages au début, il devient vite plus compliqué d'obtenir des tirages sans attendre des jours entiers. Les développeurs comptent alors sur le manque de patience des joueurs et sur un équilibrage qui rend très souvent les anciens personnages obsolètes niveau d'efficacité pour faire passer les gens à la caisse. Hautement addictif, avec des tirages toujours plus impressionnants visuellement, permettant de renouveler l'envie de recommencer rapidement, il faut vraiment faire gaffe avant de se lancer dans Dokkan Battle. Le jeu a un gameplay anecdotique qui ne respire que par cet aspect collectionnique qui fonctionne à fond, et le jeu est extrêmement rentable. Dragon Ball Legends va sortir un peu plus tard en proposant un semblant de gameplay et en gardant cette mécanique, mais Dokkan Battle reste inégalé niveau rentabilité. On l'a vu plus haut avec Battle of Z, c'est dans le multijoueur que veut s'imposer Bandai avec la série. Ils sortent donc Dragon Ball Xenoverse en 2015 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu, même s'il peut se jouer en solo, prend tout son sel en multi. Dès le début, nous créons notre avatar en choisissant sa race, puis on personnalise l'esthétique. Les possibilités sont assez nombreuses et on débloquera encore plus au fur et à mesure. On arrive ensuite à Tokitoki, la ville hub qui va nous permettre de grouper comme dans n'importe quel MMO pour aller faire des quêtes PvE ou PvP. L'aspect multijoueur et social est très chouette et le jeu est vraiment plaisant à parcourir. L'espoir de patrouilleur galactique, bien que ridicule aux premiers abords, offre des missions sympathiques voire surprenantes et est très agréable. Dommage que le système de combat soit plus rigide que ceux des vieux Tenkaichi et que la difficulté soit mal dosée. Les combats peuvent se dérouler jusqu'à 3 joueurs par équipe, quoi qu'il en soit on va passer pas mal d'heures à augmenter les statistiques de son personnage. Le jeu cartonne et se vend à 5 millions d'exemplaires en un peu moins de 2 ans. Le jeu n'était pourtant qu'un coup d'essai, une ébauche. Une suite arrivera alors, Xenoverse 2,
On reprend donc la recette du premier, on crée une ville beaucoup plus grande avec 300 joueurs par serveur. Pour se déplacer rapidement, on pourra prendre le nuage magique ou le pilier de Tao Pai Pai, et ça c'est un peu classe. La trame principale est dans la lignée de celle du premier, et ce fut avec plaisir. Mais le renouveau n'est pas là, l'aspect social est simplifié, les chats avec phrases prédéfinies, les emotes, toutes plus drôles les unes que les autres, installent une réelle bonne humeur pour ce jeu. L'aspect déblocage et achat de tenues et autres bonus est diversifié et le contenu est dantesque. Pas mal de mini-jeux ont été rajoutés pour diversifier un peu le tout, comme la livraison de bouteilles de lait qu'on ne doit pas casser. On débloquera des attaques en prenant comme mentor divers personnages du manga, mais chacun aura ses prérequis pour accepter de vous faire cet honneur. Mais surtout, le gameplay a été complètement dépoussiéré, accéléré, rééquilibré. L'ajout d'une barre de stamina empêche le spam de téléportation qui faisait rager tout le monde. Les personnages répondent enfin au doigt et à l'œil. En plus d'un bon MMO, on a un bon jeu de combat, du tout bon. Niveau jeu de combat pur et dur, on va faire pas mal de bruit, en remettant la précision et la technique des enchaînements au cœur du gameplay. Évidemment, je vais parler de Dragon Ball FighterZ. Le jeu crée le buzz dès son annonce, principalement pour son aspect graphique assez incroyable. C'est à l'heure actuelle le plus beau jeu Dragon Ball. Les combats ont un dynamisme de malade, exit les combattants qui s'éloignent de 17 km pour se balancer des boules de feu. On a ici un versus fighting plus classique qui se déroule sur un plan 2D où chaque personnage possède une palette de coups très spécifique. Et savoir maîtriser Goku ne signifie pas être capable de gagner un combat avec Vegeta. Pas étonnant venant Dark System Works. Le jeu se permet même de venir faire un tour sur la scène e-sport, et vu l'équilibrage obligatoire pour ce genre de jeu, nous n'avons évidemment pas un casting de 160 combattants comme dans les Tenkaichi, mais seulement 24 à la base. Et ici, il n'a pas peu clairement rivalisé avec Goten. Et la puissance du manga ne sont pas du tout respectées pour des raisons de game design pure. Logique. Les DLC en apporteront après plusieurs saisons 19 nouveaux personnages, donnant un casting plutôt imposant pour un jeu du genre. Tout comme le prix, du coup. Les combats se déroulent en équipe de 3 personnages, comme dans un Marvel vs Capcom, un jeu qu'il copie, dépasse, sublime et enterre au passage. La gestion des jauges propres au style est évidemment représentée ici par une barre de ki qui, bien que rechargeable, comme dans quasiment tous les jeux DBZ, ne le sera dans les faits quasiment jamais. Les combats vont tellement vite que recharger son ki, c'est prendre le risque de ramasser un combo dévastateur dans la tronche faisant sauter la moitié de la barre de points de vie. Accessible et exigeant, plébiscité par la critique, carton auprès des fans de DBZ et de baston, FighterZ est une réussite totale, en dehors de son mode histoire complètement nul. Les studios japonais revivent de manière générale depuis la fin de l'ère PS3 et les jeux Dragon Ball suivent le pas. Il resterait au final qu'un jeu d'aventure digne de ce nom pour en faire une génération quasiment parfaite. Sûrement un peu jaloux des jeux sublimant Naruto au fur et à mesure des épisodes, il demande à CyberConnect 2, qui se chargeait de ceci, de leur faire le jeu d'aventure Dragon Ball Z. Cela prend donc la forme d'un action RPG où le monde est constitué de maps de différentes tailles, mais assez conséquentes dans lesquelles on pourra voler, discuter, marchander, pêcher, faire la cuisine, conduire et bien sûr combattre. On explore donc le monde, notamment pour trouver les Dragon Ball, on suit l'histoire de la saga, on gagne des niveaux avec chacun de nos personnages et on améliore les techniques tout en développant de nouvelles attaques et transformations dans un arbre de compétences. Pour respecter la trame de l'histoire, cet arbre est bien évidemment en partie verrouillé et ne pourra pas être farmé. Pas de Sangoku Super Saiyan 3 pendant le combat contre Freezer par exemple. Niveau narration, point important pour un jeu d'aventure solo, on souffle le chaud et le froid. Certaines cutscenes sont dantesques, comme celle de l'arc Buu, quand d'autres sont complètement ratés. Le jeu offre quand même un sentiment de liberté inégalé dans un jeu Dragon Ball, et se balader dans ce monde à la recherche de souvenirs ou de quêtes annexes est vraiment très plaisant. Dommage que ces quêtes soient souvent ridicules, même si certaines assez drôles relèvent le niveau. Par contre, sincèrement, qu'est-ce qui leur a pris de mettre des orbes comme ça partout dans le monde? Ces orbes servent à acheter des capacités dans les arbres de talent des personnages. Mais ça casse complètement l'immersion, et en faisant les quêtes annexes, on a largement assez. Le système de combat est vif, précis et fait très bien le boulot, même s'il est parfois frustrant lorsque l'on se retrouve confronté à plusieurs ennemis. Les combats de boss reposent sur une logique de pattern et de phase pendant lesquelles ils sont intouchables. Et pour certains, trouver la fenêtre d'attaque ne sera pas forcément évident. Kakarot aurait pu être un grand jeu, peut-être le jeu qu'on attendait tous depuis toujours, mais son intérêt ludique est vite contrebalancé par un farming de tous les instants et une impression de lassitude générale qui s'installe. Mention quand même au mode de jeu de cartes qui a été ajouté, mini-jeu arrivé gratuitement et reprenant le système de Cardass de l'époque pour les affrontements sympathiques. Même s'il n'y a pas énormément de cartes et que le jeu possède un aspect gacha lootbox, le système est vraiment réglo et ne demande pas à le dépenser de l'argent réel. Très sympa d'avoir ce genre de bonus gratuit dans le jeu, dommage que si peu de joueurs y jouent.
Dragon Ball et les jeux vidéo, c'est donc une histoire qui dure depuis quasiment 35 ans. Et comme toutes les histoires, elle a des hauts et des bas. Et je n'ai pas été exhaustif sur les jeux dans l'émission, puisque j'ai volontairement ignoré l'arcade, ou les jeux où apparaissent les personnages Dragon Ball, notamment les jeux de combat V-Jump, le magazine qui a vu naître la plupart des shonen. Avec la réussite de certains arcs de Dragon Ball Super, j'espère que d'autres jeux seront annoncés. Des jeux de cartes au shoot'em up, de la baston, du RPG. On a tout tenté pour permettre aux gamins de prolonger les aventures de Goku. C'était donc un plaisir de vous accompagner sur cette deuxième émission beaucoup plus longue que prévu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est motivant. Allez, je vous laisse sur un petit indice concernant le thème du mois prochain. Ciao ciao à tous.